Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipiès, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, c'est vendredi. On va dans un premier temps parler santé. C'est bien quand même de parler santé, docteur. Exactement. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Wendell. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être là. Bienvenue. Évidemment, vous n'êtes pas à votre première participation à la rubrique Le Point de Métropole. Alors, j'ai failli oublier de dire que dans un second temps, j'aurai un jeune qui sera avec moi. Il s'agit de Désir Jefferson Jacqueline, dit T-Sixto. À l'occasion du 39e anniversaire de la mort de Maurice Sixto, il sera là avec nous pour nous parler de ses capacités, de sa trajectoire aussi, le cas échéant. Mais quant à vous, docteur, c'est pour parler santé, justement, ou plus ou moins de sang. En général. En général. je suis content d'avoir la possibilité. On va aborder un sujet. En général, on en parle ici, mais pas souvent. On en parle, mais pas beaucoup. Et, alors que le sang, paraît-il, est essentiel. Essentiel, fondamental. Vital, justement. Vital. Oui, c'est le mot. C'est le liquide nourricier de notre organisme, en fait. On en est dépendant. Et ce qu'il y a d'intéressant concernant le sang, c'est qu'il n'y a aucune usine dans le monde. Il n'y a aucun laboratoire qui peut fabriquer du sang. Donc, c'est le travail de notre organisme et notre organisme seul. Mm-hmm. Et aujourd'hui, justement, on va parler de don de sang. Mm-hmm. Pour avoir une pochette de sang, il faut que quelqu'un fasse un geste. Mm-hmm. Un geste désintéressé, mais c'est vraiment quelque chose de louable. C'est quelqu'un qui vous donne de son sang. Ce qui m'amène à vous poser cette première question, docteur, est-ce qu'on en a besoin uniquement après avoir été, par exemple, atteint de projectiles ou encore lors d'une opération, d'une intervention chirurgicale? Est-ce que c'est seulement dans ces cas-là qu'on peut avoir besoin du sang? Justement. Et en général, quand est-ce qu'on a besoin du sang? Et je suis contente que vous avez parlé d'atteinte de projectiles. Et c'est ce qui fait la pertinence de cette question aujourd'hui, c'est que la montée de l'insécurité, ça augmente aussi les besoins. Mais il y a en même temps et les femmes enceintes. Généralement, c'est un public ou bien c'est une catégorie de personnes qui ont besoin du sang. Parce que lors de l'accouchement, la femme va perdre du sang. C'est la raison pour laquelle, lors de la prise en charge d'une femme enceinte, il faut toujours faire la prévention de l'anémie. Et donc, dans certains cas, il est impératif d'avoir du sang. S'il n'y a pas de sang, cette femme-là ne peut pas enfanter. Maintenant, il y a des gens qui souffrent de maladies chroniques comme l'insuffisance rénale. Il y a les patients qui ont le cancer. Et on voit que de nos jours, les cas de cancer sont beaucoup plus récurrents. Et l'on se pose la question, on se demande pourquoi. Il y a plusieurs théories. Mais là, on va rester quand même sur ce point-là. Donc, ces patients-là, à un certain moment, dépendamment du type de cancer, de sa manifestation, ils peuvent avoir besoin de don de sang. Et vous avez parlé justement des gens qui se font opérer. Ensuite, il y a les accidents de la voie publique, comme vous le savez, surtout avec les données que communique et Stop Accident, par exemple. Il y a des accidents qui se font tous les jours dans le pays. Et ces gens-là, ils présentent des traumas, ils peuvent avoir des fractures, ils peuvent avoir une perte de sang qui nécessite justement que ce sang-là soit remplacé. Et donc, c'est vital pour ces personnes. Il y a pas mal d'autres cas. Donc, le sang est vital et c'est tous les jours qu'il y a des gens dans ce pays et dans le monde entier qui en ont besoin. Mais je ne peux pas un beau petit matin me lever et dire « Ah, j'ai besoin d'une pochette de sang. » Et puis, je me rends au centre de transfusion sanguine et faire la requête et que l'on me balance une pochette de sang. Donc, c'est pas la bonne méthode, parce qu'en général, c'est le personnel médical soignant qui sait
quand vous avez besoin de sang. Quelqu'un qui souffre d'anémie, par exemple. Exactement. Ça aussi, c'est une autre pathologie et il y a des anémies. Justement, la personne peut avoir une anémie qui fait partie des maladies chroniques et cette personne-là peut avoir besoin de sang, mais dans les cas les plus graves, parce que l'anémie, ça se traite par échelle. Des fois, c'est seulement des habitudes alimentaires qu'il faut corriger. D'autres fois, ce sont des médicaments. Mais il y a certaines fois, il faut impérativement du sang pour sauver la vie de cette personne. Mm-hmm. Mais vous avez dit un régime alimentaire, est-ce que ça favorise l'augmentation du sang? Dans le corps. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que je dois prendre en guise de pochette de sang? En général, on parle d'une alimentation équilibrée. Donc, c'est vraiment prendre l'essentiel de ce dont notre organisme en a besoin. Donc, c'est consommer et de façon rationnelle et ce qu'on appelle les produits céréaliers, par exemple, et qui gagnent pitimi, du riz, maïs, etc. C'est les consommer de façon rationnelle, mais c'est toujours prévoir une portion de légumes également pitimi, pour un poids. Oh, mais bien sûr. Vous avez dit pigeon, bah, sang. Ah oui. En fait, jusqu'à présent, scientifiquement, je ne peux pas vous dire par A plus B, et c'est pour ça. Mm-hmm. Mais je sais que c'est une remède de grand-mère, en fait. Parce que maman, généralement, longtemps, le timonio, le nous-mêmes, nous avons des problèmes anémiques, et nous avons fait nous manger piment. Okay. Et pigeon, alors. Et c'est bon. Pigeon, bon pour... Ah, en fait, pas... Donne-moi. Oui, au monde qui a des maladies chroniques, par exemple, il a mangé pigeon... Mon cher, je suis pas expert dans pigeon, mais si vous n'avez qu'à manger des viandes sans problème, oui, mais c'est vraiment pas pigeon. Là, on a fait des blagues, on a parlé de pigeon, mais là, on dit des blagues, vous êtes sérieux? Non, mais bien sûr. Parce que s'il baille sang, mais je connais, est-ce que pas bon, il va pas être trop sang, qu'on est là qui peut débalancer l'organisme, faire que sang, tension monter, non. Non, pas du tout, pas du tout. C'est ça qui fait me parler d'une alimentation qui est équilibrée. Mm-hmm. Et parce que en général, portion que on prend pour ça y aurait les viandes ou bien produits animaliers, hein, c'est une portion qui part en pile dans plat là. Généralement, y aurait me fait plat là fait une one et puis y a défini une portion, OK, une portion qui a à peu près moitié mais qui pas fin moitié pour produits céréaliers. Après ça, on l'autre petite portion pour produits d'origine alimentaire, qui gagne viande, qui gagne lait, qui gagne fromage. Et nan vyen nou wè vyen rouj, tankou sa nan pale an, men egalman ou genyen poisson, ou genyen tout lot sa yo, de fruit de mer aussi ki entre nan kategori an. Donc se lor bien manje ko jwenn san, parce que gen de composant, tankou le fer par exemple, ke organisme ou bezon ki ede justement nan metni e niveau san ou normal, se manje ba ou, lor manje e legume par exemple, gen de fruit, yo ede ou justement moun ki gen manje épinard. Je suppose que comme nous avons parlé de pigeons, quand nous avons parlé de croupiers, l'ennemi, l'ennemi panier, je ne vais pas parler de ça ou l'autre chose. Mais on dit que l'ennemi panier, lui-même, il y a les cafés en sont montés. Ah oui, avec, c'est à manger avec précaution. Mais par contre, épinard, elle est bon. Très bon, très bon. Docteur, on dit que ce n'est pas l'objet de l'émission. L'objet de l'émission, c'est question de nécessité pour les gens baissant. Quelle est la situation aujourd'hui avec paquet de problèmes? Parce que je regarde les chiffres, le volume de monde qui mourit en un mois, en deux mois, en trois mois, en un an. Et là, je fais référence au rapport des organismes de défense des droits humains, l'ONU et tout. Et c'est par centaines que le monde a mouru de morts violentes en Haïti. Donc ça supposait qu'il y a un peu de monde qui mourit par balle. Et il y a des gens qui peut-être si tu as un sang disponible, tu n'as pas mouru. C'est pour nous parler pour question sang, à proprement parler, docteur. Quelle est la situation aujourd'hui? Demande-la qu'ils en lient. OK. Rapidement, et en dresser un tableau. Chaque année, il y a CNTS, qui est le Centre national de sécurité transfusionnelle, qui justement gagne et monopole question sécurité transfusionnelle dans le pays, hein, c'est bras opérationnel programme national. Hein. CNTS toujours recevoir une quantité de demandes, c'est-à-dire des gens, des patients, des gens qui ont besoin de sang, qui viennent chercher ça. Et leur comptabiliser, ils rendent compte que le besoin annuel est situé entre 60 à 80 000 pochettes de sang par année environ.
Mais ce n'est pas même donné. Ça, c'est un temps normal. Oui, c'est un temps normal. Ce n'est pas jeudi. Malheureusement, donner ça au poco actualisé, parce que la dernière fois, et notamment des docteurs Noël, tape communiqué donné, c'est toujours les mêmes chiffres. Mais moi, je pensais que quand même, il était dans la fourchette ça pour le moment. Parce que effectivement, avec la montée de l'insécurité, on peut supposer que donner ça, yo a grandi en quelque sorte. Maintenant, c'est pas ça qui est plus important. C'est que par rapport avec quantité ça, l'État a dit nous que yo pour que jamais capable satisfaire 40% nan demande yo. Donc c'est même pas la moitié. Maintenant, on parle de personnes qui si on te dépend de sans ça, de pochette sans ça seulement, pour la vie, on te sauvé. Bien sûr, à l'heure, il n'y a pas d'études qui dit que, mais qui quantité de monde qui mourit parce qu'il n'y a pas de joint de sang. Mais on peut supposer que de cette plus que moitié, 80, près de 40 000, 30 000 monde, si c'est seulement pochette sans ça que on te besoin pour te rester en vie, il mourit. Ça, c'est sûr. Maintenant, qui ça problème nan yé? Problème non, c'est que Jean t'a dit à l'heure, c'est sang qui remplace sang. Maintenant, au-delà de tout problème structurel, de tout problème l'État que nous connaissons dans le pays, et tout le monde est capable de faire état et de situation pays par rapport avec l'État que nous, ouais, tout le jour, nous avons l'élément d'écouter l'État dans différentes sphères et gagner quand même une certaine perte de contrôle de pas mal de situations. Mais en même temps, oui, son pays difficile, son pays pauvre, les moyens sont limités. Donc, si nous avons quitté tout problème ça de côté, nous prenons directement garder et disponibilité. Maintenant, disponibilité de sang qui ça pour faire gagner, c'est monde qui pour venir bailler sang. Maintenant, c'est quoi la réalité? Et c'est justement constat ça que Combit 100% fait, que d'ailleurs moi représenté jeudi hein, en tant que présidente et puis cofondatrice. Nous venons remarquer que public là, il pas forcément comprendre qui rôle important que le gagner pour jouer dans question ça. Il y a des études que OMS fait. Yo fait des prévisions et yo voit que pour li vraiment applicable avec tout pays, surtout pays en voie de développement, yo si seulement 1% dans population ça yo t'es qu'on habitué faire don de sang régulier, et là on dit régulier c'est autour de 2-3 fois par année par exemple, pas beaucoup. Bien entendu, nous pral définir régulier puis devant autrement, mais dans cas d'étude là, c'est ça, c'est fourchette ça qui considéré ou pas t'as jamais gain problème pochette sang. Et comment sensibiliser, par exemple, eh ben voilà. Maintenant, nous-mêmes, nous venons rendre compte que non seulement le public n'est pas forcément conscient de ça, mais de par la sensibilisation que nous venons faire qu'on y a, il y a un paquet de mythes. Il y a un paquet de conceptions que nous avons gagné de questions baissantes. Il y a un pile dans qui d'ordre religieux. Il y a tout, c'est. Il n'y a pas tant de parler de bagages ça du tout. Il y a des gens qui ont passé, comme si on ont un ami, une famille qui a l'hôpital et que finalement le besoin de sang, c'est là ça y a au courant que les bagages auraient les dons de sang. Donc, ça qui vient faire, il y a un grand besoin de sensibilisation pour que la population connaisse ça, pour qu'ils soient capables de responsabiliser, yo, parce que c'est un problème qui, que nous. À qui pour pourcentage, docteur, où tu as estimé nombre de volontaires qu'on gagne? C'est-à-dire que des gens qui connaissent que you gain droit by sense, il va pas affecter yo. Est-ce que il y a pile les 0,00% ou bien? Si m'a fait projection sur l'ensemble de la population, il n'est pas pour représenter grand-chose. Cependant, je suis capable de dire que la question en fait me sourire parce que c'est une histoire à succès. Le nous avons débuté combi de 100% et en tant que structure, bien entendu, nous joignons un bon encadrement et dans mes CNTS qui apprennent, nous connaissons bien sûr qui sa système n'y est, qui sa état de besoin y est. Et puis nous te joignons de l'autre structure tout qui déjà là, qui te fait un travail intéressant. Première approche que vous faites avec le public, là, que ce soit les gens qui suivent nos médias sociaux, amis, familles, et c'est là que le choquant, vous avez approché les gens qui sont dans un cercle privilégié, ou si vous dites comme ça, puis vous avez des résultats avec des refus. Mais malgré tout, nous redoublons d'efforts. Et première activité de collecte de sang que nous faisons, nous vraiment étonnés si tu as plus civière, c'est-à-dire si tu as plus chaise pour te mettre les gens, tu as plus infirmière, et CNTS est conscient de ça, nous avons récolté davantage de pochettes de sang que nous avons gagné. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire que sensibilisation, c'est lui-même qui est primordial parce que les mythes peuvent se briser.
En pile nan bagay que moun yo pense, gen moun ki pense que y a kite un poste ou moson nan nanm yo, gen moun ki pense y a mouri. Par exemple, gen de religion ki même interdit question ça, alors que moun sa yo justement pi devant, lè yo vin nan nécessité, hein. Y a commencé à réfléchir qu'on y a parce que donc, est-ce que m'a kite moun sa mouri? Je dis en docteur, moun ki répond pour bay san yo, c'est lorsque gon annonce ki fait nan radio. Exactement. Et puis ou son moun que yo connaît. Yon moun ki yo konnen, un proche yo ki dans le besoin pour sauver la vie, mais anpil moun pa konnen que on sent qu'on est capable sauver la vie et la vie de yon moun et que réaction est capable automatique al bay san de temps en temps. C'est ça, il y aurait les dons de remplacement. Et en grande majorité, c'est ça que nous gagnons dans le pays hein, et qui fait justement les paralyser banque de 100 pays. Hein. Don de remplacement, c'est qui ça? Moi, bay san de façon intéressée. Donc c'est parce que dans le besoin qui fait bail et nous-mêmes au niveau de combi de 100% nous commençons à créer un réseau fidèle de monde qui bail sans régulièrement et nous comptons parce que à chaque année qui passe et à chaque collecte c'est que l'ISA l'a agrandi et qui permet de nous récolter davantage de collègues. Et faut me dire tout collègue moi je pas content si me rester seulement sous collègue de 100 parce que c'est pas ça seulement que nous fait. Mm-hmm. Parce que nous croyons que besoin est beaucoup plus grand. Mais pour nous retourner dans la question collecte de sang, donc nombre de donneurs ça y est, volontaires, donneurs réguliers ça y est, c'est un focus que nous gagnons, c'est augmenter. C'est fait que ou gagnons des mondes qui connaissent, c'est tout à fait normal. Ah, 3 mois passés, 8 ans pour un garçon. Oh, j'ai 3 mois depuis que je suis sans, bon mal baille, pochette sans. Ou bien une fille, ah, j'ai 4 mois déjà, je pense que c'est éligible, je pas gagné. Généralement, il y a des raisons qui sont capables de ne pas éligibles, mais il faut aller pour qu'on ait. Parce qu'avant, il y a un prince, il y a des questionnaires. Bon, vérité, docteur. Je décide de sans de façon régulière. Bon, sans parole. Moi, j'espère que vous comprenez. Moi, je décide de bailler. Après un temps, je finis de bailler plusieurs de ces pochettes-là. Je ne vais pas gagner. Mes aïeux, non, c'est bon. Pose. Je non, pose la question. Justement, docteur. Justement, c'est intéressant. Oui. Mais c'est bon pour ta santé. Quelqu'un alors là, qui alors, fait. Alors là, vous m'apprenez des choses. Ah oui, quelqu'un qui fait le don de sang régulier, son monde qui gagne un système cardiovasculaire, là, n'a pas parlé de cœur, de vaisseau, qui est plus performant. Regardez ça comme pas bon, docteur. Et là, je suis content parce que je me sens comme un nouveau donneur. Non, il faut mal examiner avant pour voir si éligible. Non, mais c'est juste ça. Mais c'est ça. Donc, et santé ou plus performant, parce que pour qui ça? Il y a des problèmes de santé qu'on est capable de gagner parce qu'on a des propres sang. Il y a des problèmes de santé parce que le sang qui s'allie, c'est un fluide. Il est là dans le corps, ok? Il a circulé, il a les côtés pour aller, il nourrit les cellules, il nourrit toute partie dans le corps, c'est vrai. Mais juste imaginez que sans ça, il est renouvelé à chaque instant. Ou bien de nouvelles cellules qui a produit. Maintenant, on vient de mettre l'organisme dans la condition côté que, ou accélérer le renouvellement. Et puis, cellules, ça y est, même, il y a rajeuni, il y a produit plus, excès qui dans le corps, il a diminué. Et il y a des problèmes de santé côté capable de gagner à cause ou trop fer dans le corps. Et il y en a qui attaquent foie, qui attaquent cœur. Problème ça, ou vient diminuer chance pour gagner du tout. Et avant que je finisse, bon, je me dis que gagner de monde, c'est thérapeutique pour faire don de sang. C'est-à-dire, c'est un besoin pour yo traiter, pour yo faire don de sang. Et c'est des appels que je reçois assez souvent. Des gens qui disent, ah, doc, mais ça vous dit, le docteur me dit, faut que moi aille bailler sans, et puis moi baille des directives côté CNTSI, mais qui ça pour vous faire, et puis pour vous capable aller bailler sans. Mais docteur, vous avez dit, il y a des gens qui ont des maladies chroniques qui ne peuvent pas bailler sans. Mais bien sûr, ça peut faire, excusez-moi, ça peut faire partie de catégorie de gens qui ne peuvent pas bailler sans. Mais ça peut dépendre tout de maladies chroniques, là, parce que il y a des gens qui ont un diabète qui est insulinodépendant, par exemple, ça dit, il y a des gens qui prennent insuline, il y a des gens qui arrivent dans un stade diabète côté, ils gagnent des lots comorbidité, il y a de l'autre problème de santé, de l'autre côté dans le col que il y a attaqué, tant courrel, tant coup de gel, etc. On ne sait pas prendre ça en main parce que justement l'état de santé est vulnérable. Mais ce monde c'est type 2, il est capable de faire ça? Justement, c'est en fonction de l'état et d'état de santé mounan et de gens que diabète là li prend en charge. Gen de pays pour moun ki sou metformin yo prend san nan men yo moyennant que yo fait des examens et justement qui voit que le capable bay san. Mais depuis moun nan en phase la prend insuline, non, yo pas prend san nan men. Docteur. Et nous t'a parlé de nécessité de conscientiser ou de sensibiliser. OK? Est-ce que en Haïti, nous pas réfléchi sur nécessité pour rentabiliser sang
côté comme si m'a doula m'était qu'à décider ti moun yo gang aujourd'hui là m'a manger comme baio m'dit que m'bal vendre 2-3% et que m'suis sûr que comme m'pa gagner a gain possibilité a gain non seulement banque de sang a toujours gagner m'a ba ti moun yo manger et puis m'a en santé non pas jamais penser à on formule comme ça maintenant qui j'en pral vendre sang quand on pral vendre sang ça pour vendre sans moi m'vend un poche ou pochette. OK moi comprendre question hein. Et ça, c'est un aspect qui n'est pas vraiment abordé en Haïti, mais il y a deux pays qui font. Et c'est encore un focus que nous gagnons. Alors, pas du tout payer pour 100, non? Et nous même au niveau de combien de 100%. Mais ça, yo rentré dans des stratégies pour fidéliser l'honneur et puis pour encourager des gens qui viennent bailler 100. Par exemple, il y a deux pays côté la Croix-Rouge. Si vous venez bailler 100, vous avez une carte et bonus 10$, 15$, 20$, par exemple. Donc, ça encourage les gens qui viennent bailler 100. Cependant, c'est un geste qui est tellement louable que non, si les vins sont très connus, il faut que les gens soient comme pour le baissant, tout le système est crasé. Est-ce que l'ap crasé? Il est capable. Bonjour, docteur. Les gens ont toujours le choix entre bail et vendre. Oui, par exemple, un donneur, un monde qui naturellement remet faire ça, d'autant plus que la bon pour lui. Il dit que bon, comme l'habitude de bail, pour sauver une vie, parce que les gens qui acceptent de faire sacrifice pour bailler, les gens qui baillent rien, docteur. Mais je ne vous apprends rien. Justement. OK. Maintenant, il y a l'autre monde qui dit ah, il y a l'argent là. Il y a l'argent là qui peut circuler. Donc, tu vas vendre une pochette. Pour qui ça, nous pas réfléchir son bail comme ça. Et justement, j'aime dire là, c'est vraiment. Il n'y a pas de problème éthique avec ça. C'est créer des moyens pour rémunérer ou bien pour joindre des avantages pour les gens qui ont baissé. Et moi, je crois là, c'est. Faut que si NPS a réfléchi. Ça dépasse. Ça dépasse. Mais pendant qu'on dit une vie, je vais juste dire pour le public là, que à chaque pochette sans qu'on baille, on peut sauver jusqu'à 4 personnes même. Il y a une graine pochette sans. Là, on va le traiter pochette sans ça. Sans ça. Il est capable de décomposer en des produits sanguins, en général, parce qu'il y a différents types de produits sanguins, qui est capable de sauver la vie 3 pour pipiti jusqu'à 4 personnes. C'est-à-dire, ce n'est pas même une vie qu'on sauve, c'est des vies qu'on sauve. Et c'est ça qui fait. Alors, beauté, c'est dommage de dire la vie n'a pas aucune importance encore en Haïti, mais c'est dommage vous me dites ça. Mais dans le moment où tu es vite et gagne l'importance, lorsqu'on dit une pochette sans cap pour sauver 4 personnes, en pile monde tape. On a dit promptement, porter au volontaire pour sauver des vies. Ou imaginez, 5 pochettes, 100 multipliées par 4 et 20 personnes, on a sauvé d'autres. Non, mais bon, c'est un bagaille dans le réseau volontaire que nous gagnons et des gens qui sont dans l'équipe. Et généralement, nous avons bien des rencontres. Et puis, ça, les retourner, les gens dit comme ça. Ou vivre dans un pays côté un pile fois pays en poussé ou remettre en question valeur qu'on gagne et puis comme si raison d'être ou un pile fois ou tellement stressé etc. Il y a des monde qui disent que ça c'est l'âme faite qui ça m'utile et c'est une meilleure façon capable de répondre question ça. Imaginez que on jeune fille avec toute difficulté qu'on gagne ou fait 3 dons de sang dans l'année ou est de sauver la vie 10 monnaie plus. Mais pas gagner qui puisse satisfaisant que ça, ou bon raison de vivre à partir de ça. Et justement, l'obéir sans ça, ça qui fait beauté, c'est que ou pas même pour qui est ou bail. Et c'est une bagaille que moun yo pas jamais ka comprendre. Il y a des gens qui pas jamais bail sans envie, mais leur yo besoin sans. En fonction de maigre disponibilité hein, et que yo exige, faut venir avec des donneurs pour bail sans de remplacement, moun n'en pas content. Quand y a dit qu'on s'allie pas bail sans parce que leur besoin, yo pas panique paraître pour bail. Mais c'est plus moun qui pour bail, c'est nous plus qui pour bail sans. Quand y a depuis qu'il y a plus sans qui disponible. OK, plus mon n'a pas joindre ça mais l'état tout qu'on y a là. Nous pas retourner dans l'état, il gon l'autre responsabilité, faut qu'il y ait plus banque de sang dans pays. Bon, hein, ouais, on dépose une question, on dit quoi qui répond. Par exemple, Haïti pas Jean-Lié, pas toujours Jean-Lié jodi là. Qui était rapidement partagé avec vous information. Et auditeur a dit dans les années 70-80 il y avait à Port-au-Prince une compagnie qui s'appelait Hemo Caribbean. Les Haïtiens se mettaient en rang pour vendre, pas pour donner, non, pour vendre, pour vendre leur sang. Mais c'est ça a disparu.
ça a disparu. Oui. Et ça, c'est vraiment une information que je n'ai pas gagné et que je suis content de gagner parce que l'IPRA permet que je sois capable d'investiguer. Mm-hmm. Parce que justement, qui ça système de santé au fait? Il y a un système de santé qui est performant, il est adapté avec la réalité terrain. Mm-hmm. Il est adapté avec la réalité marché parce que le souci, en fait, c'est la qualité des services que vous offrez. Mm-hmm. Donc, c'est capable de sauver le plus grand nombre. Maintenant, si vous voyez que par rapport à tout problème que le pays a pour entreprendre, a fait face, moun yo en grande majorité yo pas trop déplacé volontairement pour bay sang, j'aime dire c'est une stratégie que des pays utilisent pour capable faire ça. Mais ça c'est l'État. Ça c'est l'État. Ça et organisme structure et dans société civile là pas vraiment qu'à aventurer ou non. Ça c'est l'État parce que faut qu'yo fait des études de marché tout faire comprendre est-ce que population que nous gagnons hein, li comment on est capable de dire ça, yon approche sont capables d'installer là-dedans les lampes machines. Peut-être réponse là c'est. Oui, on a regardé un documentaire dans qui paye ça à côté que mon a juste décidé à le vendre. Il a dit le fond bon petit compte. Oui, les vendre. Donc si ça qu'on fait pour ça qu'on fait dans d'autres pays pour rien. Parce que vous, médecin, vous dites que mon cas vit à l'aise avec mon rein. Donc, si mon cas gagne en quantité et que m'éligible, si c'est bail, mon cas bail, vous m'avez vendu pour sauver une vie, mon cas pas fait ça. Donc, me paraît un peu le temps de vendre, bien que c'est extrêmement intéressant, ça l'a dit en la journée. Mais nous avons 5 minutes, nous allons laisser Wesinka profiter de lui au maximum. Dis-moi, qui type de sang qui est plus rare en Haïti? Qu'est-ce qui est plus courant tout? Bon, pas en Haïti. Qu'est-ce qui est plus demandé et qu'est-ce qui est plus difficile pour nous joindre? Ok, mais avant même répondre à une question, hein? Est-ce que dans 5 minutes, ça, je vais avoir un petit temps pour me parler de combien de 100% et puis tout inviter les gens dans une activité? Nabgadis, prends-toi. Eh bien, rapidement, bon, me dis. Prends-toi dans 5 là et puis quitte deux pour combien de là. Eh bien, good. Rapidement, bon, me dis que sans question de Résus et puis de groupe sanguin tout, gagner. Le groupe sanguin O, en général, est plus largement répandu. Donc, il y a plus de population qui vient des groupes sanguins O, par exemple. Mm-hmm. Maintenant, et pour question résus, il y a que résus négatif. Yo. Et par exemple, on a un groupe sanguin autant de yodou, A, AB-, O-, etc., A-. Donc, résus, ça, Bon, maintenant, pour justement, docteur, pas oublier, n'a pas retourné sous lui. Alors, un auditeur qui veut un premier élément de réponse pour moi par rapport à la vente du sang. Donc, deuxième, les mêmes qui vont précision pour moi. Ils disent, oui, effectivement, on en vendait autour des années 70, mais cela faisait l'objet de scandales. Ah, mais bon. On le dénonçait. C'est bien. Okay. Parce que, comme je vous le dis, je n'avais pas cette information, parce que la vente, si c'est institutionnalisé, si c'est bien fait, ça peut être une bonne chose. Mm-hmm. Mais la vente clandestine de sang, ça, c'est vraiment quelque chose à condamner. OK, et c'est quelque chose à décourager parce que c'est un bagage qui vient qui est plus récurrent ces derniers donc, jours. Donc madame dit assez à décourager. Non, la vente clandestine c'est mauvais parce que gain de côté par exemple mon gain noyé ou imagine mon dans l'hôpital en femme pour accoucher, on demande $200 américains pour une pochette sang. Docteur, mon auditeur qui dit le sang c'est la vie à 100%. Ah oui. Ou qu'a prendre ça comme slogan? Ça sent très beau. Mes amis, il faut mettre en contact avec l'auditeur. Ça. Ah, à l'aise, va mettre en contact avec lui. Non, mais c'est vrai, c'est la vie à 100%, justement. Donc, moi, je crois que la question de vente de sang est vraiment complexe et il faut qu'il fasse sujet de l'autre débat. Parce qu'il faut garder dans toute complexité et déjà, il y a une certaine sensibilité par rapport à la question ça et au niveau national. Et lui-même joue un rôle de. Il fait que il y a une méfiance pour des gens qui viennent de parce que les gens ont l'impression que l'ol bay pochette sans ou même ou gèle pral vendre li ou bien l'état pral vendre li alors que dans les fêtes les c'est pas ça. Conducteur qui dit que en fait d'abord merci pour l'émission et je cite les propos de l'auditeur. D'accord. Qui dit il doute que l'aspect éthique de la vente d'organes peut susciter une méfiance de notre système de santé. Et là, on parle de vente d'organes, l'aspect éthique. Mais on n'en a pas parlé. Je ne sais pas s'il y a méprise, s'il y a incompréhension. Nous dit qu'il y a des côtés qui vont vendre. Oui, mais nous ne pouvons pas parler de vente d'organes. Mais oui, il est capable de justement soulever des problèmes éthiques. Par exemple, et bon, si ces gens me comprennent une question, et de nos jours, la criminalité,
OK, dans les pays, dans des pays, li fortement est lié ou du moins une corrélation avec la question de vente d'organes. Donc c'est vente d'organes clandestins, vente d'organes illicites. Côté quand il y a des monde qui juste se racheter vie en main pour capter organes. Bon dit qui dit comme ça que qu'il a passé toute sa vie à donner du sang. Il était donneur pendant toute sa jeunesse et pourtant l'année dernière, il était pas opéré. La Croix-Rouge t'a demandé encore demandé des donneurs pour qu'ajoute deux pochettes alors qu'il fait toute ville là-bas. Eh ben c'est dans aspect ça gagne ça les codes de fidélité yo qui jouent un rôle primordial et m'a vraiment adressé avec tout le monde qui habitué faire don de sang régulier dans pays hein. C'est un droit que nous gagnons pour nous exiger CNTS ba nous un code de donneur un code de fidélité. Quand ça qui ça que le fait. Li retracer chaque fois fond dans de sang. Donc pour son donneur c'est comme si on allait vivre pas un simple don mais plutôt un dépôt. Non mais c'est ça aussi parce que ou pas qu'à absorber la vie chaque jour pour que l'heure ou même au besoin que la vie au sauver pour y ait des négligences qui potaient et cette carte lui retracer donc que vous faites et lui conférer des privilèges si demain ou dans situation d'urgence yo et CNTS toujours dit ça il va pas le garder que ou gain monde qui pour bail ou pas faut que monde ça lui joindre ça docteur m'a pas occupé téléphone encore ma pour dernière question le sang est-il non le groupe A à moins, est-il effectivement le plus rare? Oui. Les rares en pile. C'est généralement et groupe sanguin, généralement avec le rhésus négatif, les augmenter et ça. Oui, c'est un groupe sanguin très rare. Ok, mais on te dit tout Oyo plus courant. Au plus sûr, mais au groupe sanguin O en général, c'est les mêmes qui plus largement répondu. Par exemple, même dans la question, ça c'est pas tout bas, des fois c'est bon, vite touché, mais même, par exemple, il y a un laboratoire qui fait, c'est une contrefaçon, je ne sais pas, mais qui n'a pas vraiment fait groupe sanguin, qui n'a pas vraiment fait examen pour mon nom, mais depuis mon arrivé, en général, il y a tout là au plus bas. C'est ça qui fait, moi-même en tant que médecin, je suis toujours méfiant avec mon qui gagne au plus. Ah bon? Ma voyo al fait test là encore dans un laboratoire que me connaît qui crédible et CNTS fait ça yon moun ki bay sang et m'ta oublié dit ça c'est un moun côté yo font batterie de tests pour les tout donc moun sa li tout bon idée le état de santé et donneur yo qui attendé là faut qu'yo prend habitude après 3 à 4 semaines yo fin font don de sang faut yo aller dans structure en question pour y aller demander bon résultat examen ça yo. Parce que les résultats sont là. Donc à ce moment-là, on connaît vrai groupe sanguin ou on connaît qui état de santé ou par rapport avec différents tests que on t'a fait pour. On se dit un bagage là qui retenu attention au positif yo, ça yo gagné. Alors c'est pas ça que yo gagné comme si mon n'a gon problème, mais moi je voulais dire que gain de côté et moi quoi ministère santé publique qu'on fait des points sur ça et puis gain des associations de jeunes qui souvent parler de ça. Vous connaissez généralement dans pays un niveau de corruption il presque atteint toute couche et puis tout petit coin. Donc vous connaissez des laboratoires qui eux même qui pas forcément fait vrai test là mais qui bail un groupe sanguin. Et le fait que groupe sanguin au plus sans c'est les mêmes que mon plus tendance gagner au plus au moins mon dans les mêmes les juste mettre le dans fiche dans bas mon et ça arrivait moi même m'a vraiment témoigné de situation que moi vive côté que dans l'hôpital patient li dit ou mais qui groupe sanguin ou bien li pote un résultat ba ou et puis dans les faits c'est pas le vrai groupe sanguin leur faire reprendre test là dans laboratoire c'est qu'on comprend donc m'a pas besoin inquiéter parce que moi crois que c'est au plus moi moi même tombe c'est au plus ou c'est au plus non pas besoin inquiéter non très bien et mon auditeur qui dit que c'est groupe A+, est-ce que groupe A+ dans les rares, est-ce que c'est vrai que lycée on sent un groupe sanguin réparateur? Il était dit ça lui-même au point où il était même proposé il y a 10 ans un abonnement étant donné que groupe lien très riche et très rare et c'est même pas abonnement qui idéal c'est à moins c'est pas à plus à moins ok yeah. C'est même pas abonnement généralement qui ça système de santé au fait là yo joine des monde qui gagne des résus c'est des groupes de sanguin qui rare yo créé un pool. C'est comme une database, une base de données avec Mounsa, on mettait en réserve. Pour qui ça? C'est parce que le fait que c'est des groupes sanguins qui rares,
Là, mon ap vin bay 100, c'est à 1%, 2% que vous avez besoin de moun qui gagne de groupe sanguin sa ou qui vin bay. Maintenant, si quantité ça li stocké, mais là, yo fait face avec des situations d'urgence, côté que gens là, maintenant, moins besoin de groupe sanguin sa, moins besoin sang, yo fait appel avec moun sa yo et yo vini bay 100. Donc, c'est des moun que, en général, yo protégé en pile, yo pas même trop saccagé pour que là, yo besoin moun sa yo, yo quand on y fait appel avec yo pour yo vin bay 100 et gagne une structure qui est le Renag 100 qui justement gagne un focus sur ça et qui a fait un bel travail. Docteur, pour finir, il y a un monde qui a suivi nous là et puis il voulait faire des gestes de bonne volonté en termes de don de sang. Qu'est-ce que ça lui fait? Et gestes de bonne volonté, pour nous, le plus gros geste et le plus bel geste que un monde capable de faire, c'est rejoindre la catégorie que aurait les donneurs volontaires réguliers. Donc, donneur volontaire ou venu de plein gré ou conscient de qui ça donne du sang et qui côté ou choisit faire. Généralement, ou bay sang, nan, par exemple, pour moun qui nan département de l'Ouest, yon gen CNTS qui se référence parce que c'est la banque de sang et centrale nan yé, mais gen nan pays, ça aurait des PTS. PTS, c'est des postes de transfusion sanguin et de transfusion sanguine alors. Mais dans PTS, qui est un peu partout dans le pays, c'est un côté que les gens capable d'aller pour l'albay sang. Par exemple, si les gens Jacques Mel, si les Okaï, donc là, je vais un poste, c'est un petit bureau, côté que les capable de venir, il y a des employés qui là, qui apprend une pochette sans en main, les latrier, donc les gens capable de faire ça là. Maintenant, si les gens dans l'air métropolitaine, ils sont capables de venir dans le building local Digicel, là, et puis ils disent, ils viennent bay sang et ils sont rapidement orientés. Donc pour nous, ça, c'est premier. Gestes de bonne volonté. Maintenant, il y a un monde qui voulait suivre le travail, nous, combien de 100%, il gagne et page presque sur tous les réseaux sociaux, tant que Facebook, Instagram, nous avons un site internet tout qui est actif, côté monde est capable de rentrer en contact avec nous. Et puis, et c'est ça, pour tout contact, tout, nous avons des numéros sur les réseaux. Merci, docteur. Et pour combien de 100%, on vendredi comme ça, on a fonti parler encore même Jean Souli. Yeah, et on pas fini pour pas inviter tout le monde qui attendait dans une belle activité de collecte de sang que nous gagnons et qui a fêté demain samedi, c'est ça? Demain 13 dans Bange et Bange qui sur autoroute de Delma. PIO BUH là justement. Mon capable passer depuis à compter de 8h30 dans matin et puis jusqu'à 5h équipe là à plat et l'important pour me souligner que combien de 100% pas prend sang, nous pas gérer sang, nous pas distribuer sang. Nous soyons partenaires de CNTS qui lui-même c'est bras opérationnel question transfusion sanguine dans pays et qui rattaché avec MSPP. Donc c'est eux même qui toujours déplacé avec nous. C'est eux qui prennent sang dans même monde, c'est eux qui prend le traitel. Donc c'est eux même Non, pas besoin relève. Parce que moi même si me besoin c'est même formalité. Très bien. Que m'a suivre. Et puis on dit toi qui dit faut t'a penser aussi à des incitatives, des bons d'achat, des petits. Et oui, mais permettre que moi lancer appel ça parce que me sens où vous voulez finir. Oui, nous finis déjà. Mais bon rapidement dit que combien de 100% nous-mêmes n'a cherché ça. Nous voulons que gagner des partenaires, des monde dans société civile et business yo que yo conscient de question ça pour que yo capable penser avec des avantages. Yo monde qui gon carte de donneur, li ta gon traitement différent pendant que n'a bail des rabais par exemple dans des supermarchés, dans des magasins avec yo monde qui soit médecin. Bon parler de catégorie pas non seulement pour pas poser problème. Yo monde qui a fait don de sang mais son monde pour nous encourager parce que même l'on pour ko ka ba monde nan kòb parce que le bail sang mais faut montrer le comprendre l'importance geste li faire. Balance cap la voyer non supermarché. Justement, voyez c'est des démarches que n'a pas entreprendre et nous t'a vraiment que tout acteur qui a tant de messages ça leur combien de 100% approché parce que c'est toujours un bénéfice d'honneur que yo capable plus réceptif parce que y a comprendre nécessité pour yo embarquer dans question ça. Merci docteur Cassandra Jean-François médecin et présidente de Combit 100%. On était content ce moment que le passé ensemble. Moi même tout. On a fait une autre fois. Donc, on va observer la pause et au retour le jeune Désir Jefferson Jacqueline Tissixto sera avec nous. Merci madame monsieur de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin et comme annoncé notre deuxième invité, c'est Désir Jefferson Jacqueline Tissixto. Bonjour, comment allez-vous?
Moi, en forme, moi, d'elle, et je salue tous les auditeurs, auditrices, et surtout fans Le Point. Et c'est un plaisir que pour moi, là, et merci encore pour l'invitation. Mm-hmm. Ou pas donc, au fait, là, ça, les Maurice Sixto Mouri? Nous, pas qu'au fait, parce que je me fête en 92, et Maurice fête en 1919, lui, Maurice 84. Ou 84, mais ça fait on dit, je me désire déjà, 39 ans. Depuis. Ou gagne histoire sur la question de la conscience de Maurice? Bon, oui, Maurice Sixto, pas oublié qu'il était avec à une certaine époque. Et parce qu'il n'a pas fait tout avec tout, non, il est venu avec. Et puis, d'après l'histoire qui est écrit sur lui, que lui Maurice c'est Philadelphie, aux États-Unis. Pendant que la fumée, et puis du fait de prendre un pantalon et pyjama, et puis c'est comme ça qu'il est toujours normal. Ok. Maintenant, qui est-ce que vous êtes? D'ailleurs, si vous mettez tout ici, Sixto, mais c'est son surnom. Qui est-ce que vous êtes? Un artiste qui a imité des artistes dont de regretter mémoire Maurice Sixto. Qui est-ce que vous êtes? Moi-même, non pas moi, c'est Désir Jefferson Jacqueline, j'en tabalon celle-là. Moi, je fais Port-au-Prince, 1992, et 4 août, très bientôt, je vais avoir 31 ans. Moi, lancé dans le domaine artistique, c'est à partir en 2010, à cause de mon ambiguïté, voir Maurice Sixto. Et je regarde ça, moi, c'est l'audience, parce que côté que ma pensée tout pour moi, mettre une série de l'audience, pour qu'on fasse continuité Maurice là, parce que je ne veux dire que si Maurice là, il a besoin de plus de bagages pour le dire que je l'ai parlé de l'époque par là. Et moi, je dis pourquoi pas me balancer dans l'audience, ça veut dire que moi, c'est un audienceur. Moi, c'est un audienceur. Mais c'est Maurice Sixto seulement ou reprendre? Et pour le moment, oui. Et moi, c'est avec Maurice Sixto que je l'ai lancé. C'est Maurice Sixto pour le moment que moi, je l'ai lancé. Je suis temps de faire l'autre voix, mais ça a beaucoup fait stable, jambe stable dans Maurice. Oui, mais on ne va pas droit ça, parce que si monsieur papa, on ne va pas exploiter, prendre même nom ou héritier, on ne va pas droit. Bon, donc ça fait que nous avons une discussion de ça, moi-même avec la Fondation Maurice Sixto et Madame Gertrude Sejour, je prends le soin pour me saluer le tout, parce que c'est un monde qui a fait un gros travail. Et grâce à ce qui permet que Maurice Sixto ait toujours été en vie, que nous parlions de ça. Mais jusqu'à présent, nous avons des choses qui en nous deux à gérer pour nous, qui gens que nous avons fait, ça, qui gens que nous avons travaillé ensemble. Et qui est-ce dans la pièce Maurice Sixto, ou plus maîtrisé, ou plus remettre? Et c'est Général Ticoc. Saint-Anis Badouin, hein? Oui, Saint-Anis. Saint-Anis, c'est texte qui courant de Maurice Sixto, Mezzabel, Bok, Gomo, Soleil, à quoi c'est texte qui courant de Maurice Sixto. J'ai vengé la race Badouin, non? Oh, j'ai vengé la race. Donc ça veut dire que vous comptez toutes les. Bon, toute œuvre, monsieur, toute œuvre publique libre, parce que vous dites que monsieur Degain. Exactement. Qui va donc publier, vous comptez tout? Oui. Oui. Mais pour qui ça, c'est monsieur choisi? Et question ça, je toujours joindre mieux, mais. C'est un bail qui vient de la caméra naturelle. Parce que ce n'est pas un bail mal cherché fait. Pour d'ailleurs, l'homme de petit monde, c'est pas. Pour imiter un monde, il faut que l'on soit modèle. Donc, par exemple, on prend Wendell Theodore comme modèle. Donc, et ça, il faut qu'on imite un monde. Mais qui est différent de moi-même, parce que l'homme de petit monde, dès qu'on entend des mots, c'est que je ne peux pas prêter attention, frère Maurice. Ça peut me toujours dire, voir venir la caméra naturelle, pas ancien pour incarnation. Et puis, si en 2010, je m'a découvert que c'est voir Maurice Sixto, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas me balancer, mais puis me lancer. Mais c'est parti au monde vraiment. Que... Mais est-ce que vous commencez à faire quoi avec ça? Bon. Ou est-ce que vous invitez à venir animer des activités récréatives, culturelles? Pas assez souvent, mais nous, conjoint, bon, vie conjoncture payante, j'en viens hier, non, pas. Non, attendez, bon, je ne parle pas. Pas, je dis, il n'y a pas grand-chose qui a marché dans le pays là, à cause de l'insécurité. Mais exactement. Avant ça, et puis disponibilité tout, est-ce qu'on parle pour le type de bail ça? Oui. Moi, entrer dans toute activité culturelle dans le monde qui a besoin, graduation, l'école, fête privée, et ça, on peut faire, oui, je peux participer là-dedans. Mais c'est au même pour contour, même Jean Maurice Sixto en one-man show, tu qu'on a évolué, donc c'est qu'on sort. Exactement. Exactement. Donc jusqu'à présent, c'est seul route qu'on observe. Pour le moment. Ok. Et par contre, bon petit mot sur Saint-Anise pour moi. Histoire de Saint-Anise. Un jour, je fais ça, je suis dedans.
m'assister, yon réveil, chantou tout, ça c'est belle bagay, m'gade. Mouè madame nan levé, la nan poche, chan chantou tout, elle pousse pot la. Et puis m'tende l'di, regarde ma poupounette, on est réveillé, chérie. Oh, quel joli sourire, on a bien dodo, chérie. Au bord, bord, qu'est-ce que tu vas mettre aujourd'hui, hein? Ta jolie robe bordée que ta marraine a fait pour toi, c'est si joli. Au bord, bord, je te vois de deux gros baisers pour te réveiller. Mouah, mouah. Ça, c'est pour chanter tout. L'homme temps de le virer, bord, c'est synthétisant. Regarde un petit père, ça va de m'appeler les lits. Coulever le matin. Faut pas j'agacer gauche donc on poule cap j'agacer pour tout dans quartier attendou quand c'est amusant mais oui et pour être débord que le sous pour jour l'eau c'est dans manger me sous fouet douette ou encore ce reste buzzer cette bouteille et soir même quand défendre me intéresse manger les ça sont bout dans petit saint anise ya merci et on dit que l'on réalise qu'on gain talent d'audienceur. Et où est tout que gagné si monsieur était vivant toujours tu as grand pile bagarre pour le dire aujourd'hui là. Est-ce que ça veut dire que nous qu'a compté sous en fait pays qu'a compté sous pour une sorte de continuité et jamais toujours dit là moi on qu'a toujours compté sur moi mais le moment même toujours ça moi pas gain coup de plume l'audience. La fois au monde parle confond parce que nous sommes jamais dépassé par nos missions des équipes moi besoin monde qui pour écrire l'audience pour moi déjà non pas que monde qui apporte poème bon moi je me bats car parce que l'audience différent de poème oui oui ça veut dire que moi-même moi car une voix mes voix même pas un problème que pour me joindre au monde qui gagne écriture ça fait que t'es grand monde qui me dérive travaille ensemble avec lui moi pas son chien non tant que c'est au cave. Et avec l'autre monsieur ça moi pas fin songer non li bien non et te gagne un tout qui t'était tenté faire même travail Maurice qui était le Charles Lucien et quand t'étais de l'audience li et comme la vie aux États-Unis c'était en moi c'était deux monde ça tout m'ta mes gens qui étaient écrit pour moi et puis donc là on même disponible pour mettre voix au sous des textes d'audienceurs exactement. OK. Et en ben si mais jodi an la ou pare pour venir animer des j'aime dire déjà des activités jodi a bon pour jodi a là ni jodi a c'est à dire que kounye la ou pare kounye la et en conclut non avec on l'autre mot sont encore qui est-ce vous choisir ou qui est-ce plus à l'aise et après ti saint anise Medzabel Bok. Ah bien, pas de problème. On a les bonnes. Histoire met Zabel Bok à Berachat. Le Zabel Bok là, femme faut qu'on ait. Zabel Bok son problème pour Timounio, Tignes, Tineve, Fiel, madame, Timounio, pas qu'à dire un mot créole. C'est pour yon dégager au chercher côté français, vous c'est peut-être ça, moi, face à c'est pour la première fois m'assister Timoun cap chanter zombie bambana en français. Fantôme de blanc manant, tenez petit poulet, oh là là, petit poulet sauvé, oh là là, le petit poulet si doux, mais le rivier si tu pieds laurier à tort, m'tende un petit pied laurier qui est chargé de fleurs, un vent passé de la dessus. Il va garder ton bois, il brûle tous les fleurs, amalico, abricot, pour diable dimounio, pas qu'à dire ton bois, il en poisson, c'est bon, serve à l'auberge noire, c'est bon. C'est vers l'auberge noire, c'est bon. C'est Zabel Bok qui mette Timoun dans tout le champ de cause, c'est ça. Merci. Merci, Elti Sixto. On est au téléphone? Bon, on qui a besoin d'être en contact avec moi pour quel que soit support. Mais je te dis ça, ce n'est pas WhatsApp. Parce que pour le moment, je n'ai pas WhatsApp. Mais je n'ai pas de contact avec moi. C'est 48-74-81-91. 48-74-81-91, que T6 prêt pour tout support que mon table est balle. Merci infiniment, Désir. Jefferson Jacqueline T6, merci pour disponibilité. Bonne chance, Kembela. Merci et merci à vous-même. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce vendredi. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Loto.